Sérieux, Carole? Non mais elle est moche, hein. Puis moi je me tape pas toutes les collègues de mon travail, hein. Ça, j'ai un coup de fil là. Ah bah tiens, c'est elle qui t'appelle. Non, c'est pas Carole, non, c'est un numéro privé. Privé? Ouais. C'est chelou ça. Oui, le genre d'arnaque ou je sais pas quoi. Bon allez, ciao. Allô? Bonjour, monsieur Speroni. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce soir. Vous ne reverrez pas votre fils. Si vous en parlez à la police, on le bute. Vous avez compris? Mais parle! Parle au téléphone! Allô? Allô? Ah, désolé, j'ai renversé le café. Donc tu m'as dit quoi? Oh, écoute-moi. Si tu veux revoir ton fils, c'est 500 000 euros en petite coupure sur le parking de McDo. 500 000? 500 000 balles? Non mais tu m'as pris pour quoi, là? Tu sais quoi, j'ai l'impression d'avoir l'avocat de mon ex-femme au téléphone, là. Mais il est con, ton père, ou quoi? Ah oh bah, oui, fallait peut-être vous renseigner, hein, avant de me kidnapper, hein, bande d'abrutis. Non, moi je te propose un truc. Non mais c'est non négociable, mon pote. Écoute-moi, c'est moi qui te propose un truc non négociable. Je te propose 10 000 euros, mais tu me le rends pas, tu le gardes. Oh! Oh, allez, s'il vous plaît, acceptez. Je veux bien monter jusqu'à 15 000 balles, mais c'est mon dernier prix. J'en ai marre de lui. En plus, j'ai toujours voulu être gangster comme vous. Tout bam bam. Ah, je peux vous appeler papa? Non, je crois pas, non. D'accord, papa. Oh putain, regarde!